Le matin, je ne vous ai pas vu, mais j'ai eu à dire à certains de vos agents de vous dire, selon l'autorité des chefs et l'ordre des chefs, la manifestation est interdite. Donc vous êtes sortis et les gens vous suivent. C'est pas normal, vous voyez déjà ce que ça cause sur la voie publique. Donc il faut me retourner tranquillement chez vous. Bon, j'ai dit, vous êtes sortis et il y a la situation qui est déjà perturbée. Vous voyez, vous êtes sortis, les gens, tout le monde vous suit. Non, mais si vous êtes quand même libre de sortir, comme vous voulez, mais il ne faut pas que les gens vous suivent. Ça prend une autre connotation. Ça veut dire que vous êtes en train de faire la manifestation. Non. Pourquoi vous suivez? Ce n'est pas moi qui ai refusé. J'ai dit que l'ordre nous a été donné. Donc, c'est pas, mais c'est la question ne m'a pas adressée. Non. Il n'y a qu'à retourner carrément chez vous. Donc, vous l'empêchez de sortir. Non, on l'empêche pas. Quand vous demandez qu'il retourne à la maison, on l'empêche, ça signifie quoi? Mais il ne peut pas sortir et drainer cette foule-là derrière lui. Mais il a un rendez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Rendez-vous, mais il n'a qu'à prendre son véhicule, il est parti. Allez, on vous a laissé le véhicule. Est-ce que. On vous connaît. Les citoyens ne sont pas libres de non, là, le moyen qu'ils veulent. S'ils veulent marcher, ils peuvent marcher. Il n'a qu'à amener son véhicule, il prend le véhicule et va à son rendez-vous. Ok. Là, Romain. Donc vous êtes sûr que la manifestation est interdite. Vous faites quoi là-bas? Non, est-ce que vous êtes sûr que la manifestation est interdite? Il est en train de discuter avec lui. Donc ça vous dit que vous êtes venu avec un problème. Il y a quelqu'un là-bas qui est ici. Vous êtes venu pour faire des problèmes. Et non, pour assurer la sécurité. Non, le message lui a été déjà notifié. Bon, prends le boulevard circulaire là. Tu viens au niveau de l'hôtel Foliana. Je suis pratiquement sur le lieu. Reçu. Hey, Salaka. Il ne faut pas tirer de gaz, hein. Oh, mon lieutenant. Hey. Dites aux gens de partir, mais ne lancez pas les, ne tirez pas les gaz. Il faut qu'on s'entende sur un point. Voilà. Vous avez compris, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'histoire, voilà. Ouais, c'est qui donne les instructions?
Et ça, ça veut dire que vous êtes venu pour faire des problèmes. Non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller à son véhicule. Il prend son véhicule, il se partit tranquillement, il n'y a plus pas avoir de problème. Mais pourquoi les gens le suivent et empêchent les gens de circuler? Vous n'allez pas l'empêcher. En fait, si vous n'étiez pas venu, la sécurité dans sa maison, il serait sorti que personne ne le suivrait. C'est parce que je vous connais très bien que je ne suis pas sorti en voiture. Parce que j'ai souvent essayé de... C'est pas la première fois que ça se passe. Peut-être vous, c'est la première fois que vous venez chez moi. Je suis sorti en voiture plusieurs fois. On m'a empêché de partir. Et maintenant, je sors à pied, on m'empêche. Ça, moi, je ne dis pas... Il y a des dispositions légales qui, sur lesquelles vous devez vous appuyer pour justifier ce que vous faites. Il n'y en a pas une seule, il n'y en a aucune. Oui, moi, je vous disais, vous ne pouvez pas quitter et drainer toute cette foule-là. Et ça empêche vraiment, vous voyez, le problème que ça a posé tout sur la situation. C'est votre agent qui a commencé à tirer dans l'essence. C'est la foule qui suivait et qui harcelait la Allons-y.